il y avait peut-être ça, là ici, ça, et ça de glaçon. C'est pas, enfin c'est ça, ça a le goût d'ici, mais pas l'ici en bouteille. Donc l'ici fait maison. Et par contre c'est sucré. D'accord. Comment est-ce? Bah c'est pas mauvais. J'ai pris un... Là comme ça, ça donne pas forcément envie. Non. Mais c'est un cookie and cream. Je m'attendais à quelque chose de chaud et en fait c'est froid. Mais c'est pas mauvais. Ça vient avec un petit Oreo. En fait, ça devrait plus s'appeler Oreo and cream que cookie and cream parce qu'au final c'est de l'Oreo. L'Oreo broyé. Je pense qu'il y a des glaçons et de la crème et ça fait une boisson. D'accord. Ceux qui veulent la rose. Ça vaut le coup une fois si vous êtes une fille ou si vous êtes un garçon fan de Beauty ou si vous êtes un garçon avec votre copine et que vous voulez lui faire plaisir. Mais sinon, disons que c'est pas le café où je vais revenir tous les samedis. Quoi. Déjà, c'est bruyant, c'est cher. Le son est très fort aussi. Oui, c'est pour essayer de couvrir le bruit des gens qui parlent. Mais. Dans l'ensemble, c'est mignon, c'est mignon kitsch, mais c'est mignon. Mais c'est cher et bruyant.